Ok les petits potos, j'espère que vous allez bien du coup. Une petite vidéo pour vous montrer rapidement le nouveau pack. Parce que du coup, voilà, n'oubliez pas le petit code créateur de la gameuse. Très important. Et surtout de vous abonner. Mettre un pouce bleu. Ça, c'est encore mieux. J'ai envie de vous dire. Du coup, on va monter tout en haut. Hop là. Si vous intéresse, c'est ce petit pack. Alors, il contient du coup le chevalier. Du coup, Omega. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une version rematisée, on va dire. Remixée par rapport à la saison 4, chapitre 1. Pour ceux qui étaient là à l'époque. Il était dans un pass de combat, un skin similaire à celui-là, c'est pas le même, c'est genre une sorte de, d'un autre skin multivers, appelez ça comme vous voulez les bots. C'est genre une autre version de lui-même, comme tous les genésis qu'il y a sur la carte, je pense que c'est le même genre. Hein. Bref, du coup, peu importe, le petit pack du coup, qu'est-ce qu'il a le petit pack? Et bah déjà il y a le skin, là vous avez du coup la pioche du coup, que vous voyez là, c'est qu'il du coup, là, un sac à dos, d'accord. Vous avez également bien sûr des quêtes toutes les semaines. Du coup, juste au 3 juin, pour pouvoir les accomplir. Si vous ne les faites pas avant cette date-là, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir la custom, du coup, dorée, qui est d'ailleurs très stylée. Donc, ce sera un peu dommage, les gars, de pas le faire. Et surtout, c'est pour que ceux qui veulent racheter leur base de combat, qui n'ont pas beaucoup joué, vous avez la possibilité de monter 28 niveaux en plus d'avoir le skin. C'est parti bien, ça. 28 niveaux, c'est toujours mieux que rien, les gars. Bon, le skin, il coûte 1200 V-Bucks. Ça va, c'est pas un prix trop cher en soi. Tout le monde peut se permettre, je pense. Et en plus, c'est un skin quand même plutôt stylé. Et qui sera sûrement exclusif. Puisque c'est un skin avec des défis spéciaux juste pendant cette saison-là. Je pense que toutes les saisons, Epic Games vont faire un skin comme ça. La saison d'avant, c'était un skin féminin. Ils ont vu que ça marchait bien, que les gens appréciaient le skin et le fait de monter de niveau grâce à un skin. Et il sera exclusif, je suppose aussi. Donc celui-là, ça va être sûrement pareil. Donc c'est-à-dire qu'il va peut-être être rare dans les. 2 mois plus tard. Voilà, donc c'est du 4 mai au 3 juin. Donc vous allez dire, bah, aujourd'hui même, alors je vous parle, même si on est déjà le 5 pour nous, la française, mais pour ceux qui sont aux États-Unis, Canada, etc. Pour vous, c'est encore le 4. Bref, vous avez capté, c'est un jour décalage. On a l'habitude. Du coup, on va le prendre tout de suite, le petit poteau. Hop. Achat. Voilà, fait. Le skin est quand même stylé, les gars. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez ou non le skin, parce que peut-être beaucoup d'entre vous aiment peut-être pas le skin. Hein. C'est possible en soi, hein, je veux dire. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer le skin. Moi, je l'aime bien, personnellement. En plus, il est de rareté, je crois, épique, ce skin. Bah, en plus, c'est marqué, en plus, je viens de le voir. Donc, normalement, voilà, c'est des skins, quand même, qui coûtent, à la base, 1500. Vous l'achetez à 1200, vous avez 2 customs et 28 niveaux à monter dans votre place de combat. Si vous aimez, vous n'avez pas monté votre niveau, comme moi, que je rush beaucoup, oui ou non, parce que... Pour une fois, cette saison, je rush pas autant, mais je monte au niveau 300 tranquille. Ça dépend vraiment comment vous jouez. Les défis seront ici. Disponible, vous voyez, comme vous pouvez voir, tous les défis sont plutôt simples, comme la saison d'avant, pour ceux qui avaient pris le pack d'avant. Du coup, c'est des jetons qu'on doit récupérer sur la carte. Ils indiquent sur la carte, vous voyez, les petits points qui sont ici. Il indique à chaque fois un lieu où vous allez au lieu, vous récupérez le petit point, ça vous montre direct un niveau. C'est même pas compliqué à faire, ça vous manque pas 36 trucs. Vous avez tous ces petits points là que vous voyez sur la carte, et du coup, dans également 6 jours et 12 heures, vous aurez d'autres endroits à aller pour récupérer vos petits, petites flèches, vos petits points, appelez ça comme vous voulez, vos jetons, pour selon comment vous appelez. Dans 13 jours, dans environ 2 semaines, vous aurez d'autres pour pouvoir faire la même chose. Et dans 20 jours, vous aurez les dernières de la dernière saison, du coup. Et je rappelle quand même que dans 20 jours, ce sera la fin de la saison, les gars. Dans même pas 20 jours. C'est, ça passe trop vite. Dans un mois, la saison sera finie. Fortnite sera le chapitre suivant. Et, enfin, saison suivante. Pas chapitre suivant, mais bref. Vous avez capté, les gars. Du coup, voilà, les défis sont très simples. C'est même pas un défi en soi. Vous allez juste aller au lieu, récupérer le petit jeton qui ressemble à ça, au petit truc qui est là. Vous le récupérez, vous le prenez et c'est validé. Pour ceux qui n'ont pas déjà fait les défis d'avant par rapport à l'autre pack, voilà, je vous explique, c'est vraiment très simple. Vous allez juste aller au point sur la carte, vous mettez un point, vous allez, paf, récupérer, puis c'est fait. Vous allez monter un niveau en faisant rien d'autre que ça. C'est pas plus simple que ça, franchement. Bref, sur ce, les petits potes, bien, je vous rappelle que si vous faites vos défis, vous avez du coup les customs. Mais vous avez du coup la possibilité d'avoir ceci, cette quête, du coup vous avez ceci, vous faites encore d'autres, vous avez celui-là, custom, et la dernière c'est en or, du coup, dans 20 jours vous récupérez tout le custom pour avoir la version en or. Donc c'est plutôt simple les gars. Sur ce, moi je vous dis du coup à demain pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner comme d'habitude. Et puis moi je vous laisse ce dernier petit pas, donc je vous montre le skin à quoi ressemble dans le casier, voilà, il est quand même stylé. Moi perso j'aime bien, donc je le mets en favori, je vais le mettre directement d'ailleurs. Je suis un gros pigeon, je vais le mettre maintenant. La custom en or, j'ai très hâte de l'avoir. Bon, c'est dans 20 jours, on peut pas faire avant. Mais en vrai, elle est quand même stylée. Hein.
Franchement, je l'aime bien. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, les potes. Allez, ciao, bye. Cyber.